Fabien, il est temps de remercier Antoine pour l'essai qu'il a fait aujourd'hui avec nous, avec sa moto. Antoine, merci. Bah écoute, c'est avec plaisir, merci à vous de m'avoir fait participer à un essai. J'ai découvert un petit peu ce que c'était un essai, parce que forcément, en tant que peintre, je sais pas forcément tu connaissais pas ça consiste exactement. Alors, j'ai eu le plaisir tout à l'heure de l'essayer un petit peu ta moto, d'ailleurs je te remercie. Et mais moi j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur un GSR Bah écoute, je me suis renseigné un petit peu sur internet au niveau des tarifs, au niveau des puissances, de la maniabilité, puisque comme c'est ma première moto, il fallait pas que je tape tout de suite dans un truc sportif, parce que forcément ça serait mal passé. Problème d'assurance, voilà, exactement, coût, problème de confiance, voilà, qui vous date aussi. Et coût d'entretien, coût de tout. C'est un ensemble qui fait que la GSR, c'est un bon rapport qualité-prix, ça marche suffisamment pour quelqu'un comme moi qui débute en moto. Faire plaisir. Voilà, exactement, ça pousse à 14 000 tours, donc il y a largement assez pour se faire plaisir. Il y a même des fois c'est trop. Ouais. C'est trop parce que ça reste une moto, rapport poids-puissance, c'est énorme. Donc c'est côté compromis. Voilà, exactement, l'esthétisme. L'esthétisme aussi qui m'a plu par rapport Z, j'ai pas voulu te prendre de Z750 parce qu'il y en a tellement, tout le monde en a, c'est chaque fois que tu croises une moto c'est un Z de toute façon. Oui. Donc je trouvais que ça sortait un petit alors, peu de leurs alors airs. Moi par contre, une petite chose que j'étais pas habitué au roadster, ouais. C'est très bien, mais par contre ce que j'ai aimé c'est les pots, oui, bah, moi aussi, c'est sous la selle, je trouve ça super sympa. Le guidon, on a l'impression d'être en cross. Ouais, je sais pas quelle impression ça te donne. Ça plus l'impression d'un street, plus avoir aller faire du stunt avec ce genre. Exactement. De véhicule. C'est ce que j'allais dire. En fait quand on a conduit, on a l'impression de vite vouloir passez-moi l'expression, faire le con. Ouais, ça en sonne quoi. Roue avant, roue arrière, et c'est vrai que la couleur rappelle un petit peu les jantes, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais. Ça rappelle un la couleur des jantes, voilà, ça coupe un peu ce côté blanc qui est très à la mode en ce moment, mais c'est vrai que ça lui donne un côté un peu, ça lui donne ce côté couleur, donc c'est assez sympa. Devant blanc, à l'arrière noir, donc ça aussi c'est assez sympa. Voilà, assez sympa. Ça tranche, je voulais dire, parce que quand tu rajoutes ça blanc, ça fait trop blanc. Voilà, exactement, ça fait trop de blanc. Et non, c'est vrai que c'est assez sympa. J'ai trouvé que c'était, en plus ça harmonise bien donc avec la selle et le châssis, avec le cadre. Donc je trouve ça vraiment sympa. Au niveau conduite, j'ai trouvé qu'elle était relativement souple. Donc ouais, elle est ouais. Vachement facile à prendre en main. Bon, pourtant, bon, les roadsters, c'est quand même connu pour ça. Mais elle est vraiment très bien équilibrée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vachement surpris. Donc à la limite, même plus que sur un Phaser ou sur un Hornet. Ensuite, après, c'est l'agrément conduit. Accélération. Assez sympa. Pourtant, on est sur un 600, donc on va pas dire c'est chevaux, donc. Exactement. Mais c'est relativement sympa. Beaucoup de répondants. On a vu tout à l'heure sur le départ arrêté. Oui, avec le pneu qui est un petit peu mouillé, ça chasse un petit peu. Voilà, il faut. Et bon, c'est vrai que ce serait peut-être un châssis street qui partirait vers la sportivité. Plus, bah, il semblerait que ça soit issu de la GSXR. Voilà, donc, avec un profil plus sportif, c'est peut-être pour ça aussi que c'est assez agréable. Petit peu de sportivité tout en étant sur un street de promenade. Voilà, c'est quand même un bon compromis, c'est exactement. Vrai. Exactement, et l'avantage c'est que à 90-100, t'es assis, t'es posé, t'es pas couché comme sur une sportive, t'es bien. Si tu as besoin de peinture, pensez à Antoine. C'est pas lui qui a pris la moto, je vous rassure, mais il travaille presque tout aussi bien.
Donc Antoine, mais écoute, je te remercie. Et si on aura l'occasion de refaire un essai ensemble d'après un mois, on aura bientôt un nouveau jouet avec toi et on fera pas les deux. Bah, il n'y a aucun problème, moi je vous remercie tous les deux. Antoine, parce merci. Que c'était sympa. Comme je suis plus spécialisé automobile, merci. C'est pour ça que je ne suis pas trop intervenu sur l'interview de la moto. Donc je te ferai découvrir l'automobile. Bah, c'est avec plaisir. Comme on l'a pratiqué à lui. Merci d'avoir été avec vous. Voilà. Écoute, comme vous voulez. Bah, merci à vous.